Salut, c'est Claire, bienvenue sur la Côte Ouest. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui va nous montrer sa recette de crème. Bonjour, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va préparer une crème de jour à la rose pour le visage. Je sors de la pharmacie, donc du coup, j'ai l'habitude de voir des produits chimiques dans les produits. Et je trouvais intéressant de faire une crème où on sait ce qu'on va mettre dedans, l'adapter à notre peau à nous. Et pour un coût relativement raisonnable. Aujourd'hui, on va faire un pot de 50 ml de crème. On en a pour à peu près 5 ou 6 euros dans le pot, une fois le produit fini. L'inconvénient de faire sa crème soi-même, c'est de prendre le temps de le faire. Donc on en a pour 5 ou 10 minutes, tous les 2 mois à peu près. C'est une crème que moi j'utilise déjà depuis presque 2 ans. De préférence, on utilisera un contenant en verre. C'est quand même plus intéressant en termes de conservation. Une crème de jour, il faut 3 produits à la base. Il faut de l'eau, de l'huile et une cire. Et par là-dessus, on va rajouter d'autres ingrédients comme de l'extrait de pépin pamplemousse et de la vitamine E pour la conservation. On va utiliser de l'huile d'argan qui sera plus une crème anti-âge et de l'hydrolat de rose qui va à tout type de peau. On va avoir la peau un petit peu plus lisse et ça permet de nourrir la peau et de l'hydrater. On peut désinfecter le matériel et ses mains avec de l'alcool. Ensuite, dans un mortier, on va mettre l'huile avec la cire. On mettra tout ça au bain-marie. Quand la cire sera chaude, on mettra l'hydrolat qui sera mélangé avec de l'eau dans le bain-marie aussi, de façon à tiédir, parce que si on met l'hydrolat froid dans la crème, ça va figer. Et ensuite, on mélangera donc l'hydrolat tiède dans la cire fondue avec l'huile. On va mélanger. Maintenant, on va rajouter une goutte de vitamine E pour éviter l'oxydation de la crème. L'huile essentielle de bois de hô, elle est anti-ride, anti-âge, et l'hiver on peut s'en servir sur toute la sphère ORL en antibactérien. On va en mettre 12 gouttes. Et l'extrait de pépins de pamplemousse, on va en mettre 3 gouttes pour éviter les moisissures. On remélange le tout. On voit bien que la crème a repris une texture un petit peu différente. Donc quand ça marque comme là, on voit ça fait des un petit peu comme une mayonnaise. On peut s'arrêter et elle finira de se figer toute seule. Si on insiste de trop, le risque est de déphaser et la crème sera plus utilisable. Et voilà. En termes de réduction des déchets, la seule chose où j'ai un petit peu plus de mal, ça va être les produits de lave-vaisselle et la lessive pour avoir une bonne odeur sur le linge. Alors si vous avez des idées, c'est le moment. Bon, ça vous a plu? Et c'est pour qui la bonne crème? C'est pour Bibi. Merci. Voilà.